Le matérialisme est une méthodologie qui est d'abord celle des sciences et nous pose évidemment à ce titre la question du rapport entre ces sciences où il est une évidence nécessaire, c'est-à-dire les sciences de la nature, et celles où il paraît être une option idéologique alors qu'il est tout aussi nécessaire, les sciences de l'homme et de la société. Alors bien sûr, on pourra s'étonner du fait qu'il ait été nécessaire pour commencer à donner une idée de ce que peut être le matérialisme, d'écrire un livre de 1000 pages. Cela correspond au projet parallèle de ce livre, qui est un projet méthodologique, qui est une sorte de projet de fondation, enfin explicité, de ce que je nomme depuis 30 ans l'analyse des complexes discursifs et qui est destinée à se substituer à ces méthodologies tâtonnantes que nous avons croisées, qui nous ont peut-être éclairé à une certaine époque de notre vie, mais qui nous ont laissé assurément une impression d'incomplétude, et c'est le cas de des tentatives malheureuses de Michel Foucault. Je dis malheureuse parce qu'elles s'annonçaient comme devant résoudre le grand problème de la méthode dans l'histoire des systèmes de pensée, puisque c'est ainsi que se dénomme sa chaire au Collège de France, bien que je ne sois pas non plus en accord avec cette dénomination. Et il me paraît aujourd'hui que il est tout à fait possible, à condition d'accepter d'énoncer un champ de principes théoriques suffisant et de le mettre en œuvre d'une certaine manière, d'arriver à un niveau d'objectivité que l'histoire des idées, pour reprendre la dénomination la plus ancienne de cette discipline, n'avait pas atteint jusqu'à présent. C'est l'objet de ces 25 chapitres. Il y a 25 chapitres, tout simplement parce que je n'en ai pas fait 26 ni 24. Ces 25 chapitres me paraissent couvrir le champ où je me suis énoncé jusqu'à présent, en donnant des échantillons de la méthode avant de formuler la méthodologie elle-même. Autrement dit, et comme je le répète aussi de temps en temps, je n'ai pas voulu écrire dans ma vie, commencer par écrire une sorte de grande préface à une œuvre qui n'aurait pas existé. Je dois dire aujourd'hui que tous les ouvrages que j'ai publiés jusqu'ici, depuis mon plus jeune âge, sont des illustrations de la méthode d'analyse des complexes discursifs. Et c'est en revenant à ces ouvrages, aussi divers que le travail fait sur l'origine du paradoxe sur le comédien, par exemple, pour parler du champ esthétique, aussi divers que ce que nous avons fait avec mon ami Chomin Koumchilios dans le livre Les voies de l'émergence, qui parle, lui, de quelque chose d'absolument nouveau qui concerne les niveaux d'intégration du vivant, aussi divers que l'histoire des doctrines politiques ou l'histoire de la science utilisée par les doctrines politiques, eh bien, tout cela nous ramène d'une manière permanente à une méthode et une seule qui est à l'œuvre dans ce travail-là. Alors qu'on ne s'attende pas, bien sûr, à un livre de recettes. Cela n'existe pas, ça n'existera pas. Il n'y a pas une méthode qui va s'énoncer suivant un certain nombre de règles de fonctionnement précises et qui pourra simplement être appliquée. C'est une perspective nouvelle qui s'ouvre, c'est un nouveau mode d'interrogation de la réalité discursive, c'est une autre méthode aussi peut-être de pratique de l'analyse textuelle qui est fondatrice encore dans tout cela. Hein. Tout cela bien sûr avec un degré de technicité qui, je l'espère, dépasse un peu ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc je pense qu'il faut maintenant tout simplement rentrer dans les chapitres et donner quelques illustrations justement de la fécondité éventuelle de cette méthode.